Yo, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance business pour le mois de novembre avec l'huile essentielle d'Anissa. Cette huile essentielle va nous accompagner pour le mois de novembre. En tout cas, si vous la sentez en olfactothérapie, elle va vous accompagner à vous reconnecter à votre dévouement, à être dévoué pour votre objectif. Ok? Souvent, et c'est pourquoi on va l'utiliser. C'est parce que souvent on va se faire attirer par la peur et du coup on va prendre action qui va à l'encontre de notre objectif, okay, de notre business. Et finalement on va se perdre dans différentes actions. Et en fait cette huile essentielle va nous ramener droit au but pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Okay? Donc, avec cette huile essentielle, ça va être important de déjà se connecter donc, en olfactothérapie, pourquoi pas, donc par l'odeur, en la sentant et en allant voir ce qu'elle vient créer chez nous dans notre corps. Elle va nous permettre d'aller nous connecter à nos objectifs et d'aller sentir ces objectifs comme une vérité en nous. Parce que souvent, derrière des objectifs, des fois, il y a des fantasmes que je vois souvent d'ailleurs. Dans mon programme Riche et Intuitive avec mes clients, c'est qu'on met à plat les objectifs pour qu'ils soient atteignables parce que souvent on a des fantasmes d'objectifs à atteindre, comme soit des résultats financiers, comme soit absolument avoir telle ou telle vente qui se fait, mais en réalité derrière, si on va chercher, on n'a pas forcément envie d'atteindre ces objectifs-là. Et donc évidemment, si on n'a pas forcément envie d'atteindre ces objectifs-là, on ne va pas mettre en place des actions qui vont être en corrélation avec cet objectif, ce résultat qu'on veut atteindre. Donc c'est pourquoi l'huile essentielle d'Anisata va nous reconnecter déjà en premier à notre objectif, le résultat qu'on veut atteindre. Ensuite, elle va nous permettre au fur et à mesure du mois d'aller nous recalibrer sur notre objectif et sur les actions qu'on a à entreprendre en corrélation avec ces objectifs. J'espère que jusque-là vous me suivez, mais ça va être hyper important. Et pourquoi elle va nous aider à atteindre ça? Parce que derrière, on va aller se connecter. Cette huile essentielle, en tout cas, vous accompagne à vous connecter davantage à, au fait d'être dévoué à votre dévouement personnel. Ok? Dévouer, c'est sacrifice pour quelque chose ou pour quelqu'un. Là, c'est être dévoué. Donc, sacrifice, il y a souvent une connotation qui va être négative, mais là, pas du tout. Dans cette énergie-là, et puis vous pouvez aller vous connecter, vous, en live, venir vous connecter à cette huile essentielle, et puis voir c'est quoi l'énergie associée à cette huile essentielle. Et vous allez voir que derrière ce dévouement, c'est de l'amour, de la célébration. Et c'est d'être davantage connecté à votre être, à vous, à ce que vous avez envie d'atteindre. Okay? Peu importe le pourquoi vous avez envie d'atteindre ça, peu importe ce que ça va vous faire sentir, c'est d'aller vous connecter au fait d'être dévoué pour cette cause-là qui vous appartient. Okay? Donc, ça va être important d'aller se connecter à cette huile essentielle, évidemment pour ce mois, pour atteindre ses objectifs. Donc vous pouvez aller vous connecter là en énergie à cette énergie-là qu'on sent. Et en fait, pourquoi ça? Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va être happé par d'autres choses. On va vouloir atteindre un objectif, mais finalement, par peur de ne pas l'atteindre, on va peut-être mettre en place des actions qui vont être totalement contraire à ce que vous avez envie de faire. Mais vous venez dans votre ancienne version de vous, dans la version qui a peur et qui sait que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif, qui sait que ça va être plus facile, soi-disant, hein, parce que c'est toujours une perception aussi qu'on peut en avoir. Et donc elle vient vous reconnecter à chaque fois, ici, à votre atout, à votre énergie personnelle, à cette énergie-là d'être dévoué, d'aller, du coup, ça va vous permettre d'aller
de connecter à beaucoup plus de puissance, d'énergie pour pouvoir faire les choses. Parce que des fois, quand on fait des choses, quand on est dans l'action, on va tout d'un coup se sentir drainé, on va tout d'un coup se sentir moins bien, on va tout d'un coup se faire happer par quelque chose d'émotionnel par rapport à ça. Et donc, cette huile essentielle, elle vient vous remettre dans votre puissance et dans ce pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Ok? Peu importe les résultats, peu importe si d'un coup vous avez un retournement de situation, puis il y a un oui, puis il y a un non. Ok? Ça arrive souvent quand on est en business, il y a un client qui nous dit oui, puis après il nous dit non, il se rétracte, ou peu importe. C'est des choses qui arrivent. Et en fait, ça, cette huile essentielle vient vous reconnecter à votre puissance, au fait de prendre action, de rester focus, de rester dans votre ligne et de ne pas vous faire stretcher, entre guillemets, de ne pas vous faire happer par toutes ces conditions externes qui viendraient potentiellement affecter votre émotionnel. Ok ? Donc cette huile essentielle, elle va vous accompagner tout ce mois pour aller vous reconnecter davantage à votre propre énergie, à reconnecter à des énergies aussi peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prendre en compte pour pouvoir vous sentir justement... voilà, pas d'un coup, ah, je dois faire une sieste parce que je suis fatiguée, ou la fatigue émotionnelle, etc. Elle vient vous reconnecter à vous. Et pour ça aussi, ce qui va être important, c'est que souvent on va négliger, et c'est ça aussi qu'elle va vous ramener, c'est que des fois il y a des actions, ok, dans votre business, et là, prenez le temps d'avoir des pop-up, de flash d'informations qui vous viennent en même temps que je vous parle. Il y a des actions qu'on entreprend qui sont fun pour nous, mais qu'on oublie de faire parce qu'on se dit qu'elles ne sont pas efficaces et qu'elles ne sont pas rentables. Et on ne va pas les prendre en compte et finalement on va les arrêter. Okay? Or, ces actions-là, même si aujourd'hui vous pensez qu'elles ne sont pas rentables parce que vous avez des calculs, parce que vous pouvez identifier ce qui vous permet d'avoir un taux de conversion plutôt correct et ce qui finalement vous permet pas d'avoir un taux de conversion, mais pourtant ces actions là si vous les identifiez, c'est peut-être des actions qui vous amènent un curseur de joie, de bonheur dans votre business et qui sont finalement peut-être pas des actions qui vont vous permettre de convertir. Mais c'est des actions qui sont dans votre capital bonheur et qui sont hyper importantes du coup pour votre business parce que c'est ça qui va vous garder en énergie pour continuer ce que vous faites, qui va vous garder dans votre dévouement, dans le fait d'être dévoué pour ce que vous entreprenez. Et au fur et à mesure, ça va faire effet boule de gomme et ça va vous permettre déjà d'être dans votre énergie de kiff. Ça va permettre de continuer d'expanser et au fur et à mesure, ça va être des choses qui, évidemment, mises mis à bout, vont vous permettre d'aller dans votre petit tableau de conversion, taux de conversion, votre tableau des indicateurs de performance, vos KPI, et ils vont avoir un impact, évidemment, du coup, sur votre business. Potentiellement, au début, ça a un impact pour vous, votre énergie, mais ensuite ça va avoir un impact pour le fait d'acquérir des clients. Donc c'est important aussi de prendre en compte ça dans vos indicateurs aussi de performance. Peut-être qu'il y a des choses qui sont effectivement très factuelles, je veux acquérir des clients, mais il y a des indicateurs aussi de bonheur dans votre business à prendre en compte qui vont être importants pour sa pérennité, pour sa pérennité, sa continuité. Donc c'est important que vous puissiez les garder, c'est important aussi que vous puissiez les identifier. Ok. Donc voilà pour cette huile essentielle, Anisata.
C'est votre huile essentielle du mois qui va vous permettre d'aller vous connecter à quelque chose, évidemment, qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude de vous connecter à une énergie totalement différente de tout ce qu'on propose actuellement. Souvent, on va se dire, il faut que ça soit une motivation, il peut y avoir une motivation intrinsèque, extrinsèque. Il faut vous sentir déterminé, il faut que vous ayez confiance, etc., etc. Et surtout, là aujourd'hui, en tout cas pour ce mois, c'est d'aller ressentir le fait d'être dévoué pour vos choses à vous. Pour vos choses à vous. D'aller vous reconnecter à ça. D'aller prendre conscience que c'est de votre énergie dont on parle et que c'est pas... quelque chose que vous avez besoin d'aller chercher et puiser à l'extérieur, d'aller puiser cette énergie là pour vous, pour atteindre vos objectifs. Donc cette petite énergie de dévouement, j'ai trop hâte que vous me disiez ce qui s'est passé pour vous. Moi je vais faire du journaling ce mois-ci pour vous faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous partager comment ça s'est passé avec cette nouvelle énergie qui rentre pour nous avec cette huile essentielle. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois, à tout bientôt.